Les écosystèmes de mangroves sont d'une importance capitale pour la vie aquatique. La forêt de mangrove joue donc un grand rôle dans la vie de l'humanité. Avec son rôle de purificateur, les mangroves contribuent à la reproduction des poissons et d'autres crustacés. Mais la forte pression humaine sur cet écosystème est alarmante. Pour donc réduire cette action dévastatrice de l'homme sur cette ressource, le programme gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin, PAPBU OC1 Mangrove, est né. Dans les communes des lacs 1 et 3 au Togo, 5 établissements scolaires ont été visités et sensibilisés sur l'importance de la protection des forêts de mangroves et le reboisement. L'objectif est simple, former la base pour un meilleur avenir. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là, nous avons des activités que nous menons à l'endroit des enfants et puis des adolescents. Les gens utilisent la ressource de manière non rationnelle. On vient, on coupe sans penser aux générations futures. Or, c'est dans la mangrove là que beaucoup d'espèces vivent. Après la visite des écoles le 22 novembre, le mardi 23 a permis aux élèves de se retrouver à la mairie de Lac 1 pour prendre connaissance de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono, connaître les types de mangroves et comment les protéger pour sa pérennisation. Donc, l'environnement, est-ce que nous allons laisser pour vous? Et vous, comment est-ce que vous allez prendre en soin de cet environnement pour pouvoir laisser quelque chose de mieux à vos petits frères, à vos neveux, à vos enfants? Donc, c'est ce qui explique les activités que nous faisons souvent avec les enfants, notamment les visites découvertes, les visites éducatives, les visites culturelles que nous allons faire au cours de l'année 2022. Donc l'idée, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que la mangrove. Quelle est l'utilité de la mangrove? Quelles sont les espèces animales qui vivent dans la mangrove? Quels sont les différents types de mangroves qui existent? Et comment en prendre soin? Mise en œuvre par l'UICN et financée par l'Union européenne, le projet est suivi au Togo par l'ONG Agbozegé qui œuvre dans la conservation et la protection des ressources naturelles et des aires marines protégées. Nous sommes venus pour faire l'étude sur des mangroves ici. Et nous travaillons dans le domaine de la conservation des ressources naturelles. Et quand vous arrivez dans vos établissements, ceux qui sont dans les propres environnements, demandez des plantes. Nous allons fournir des plans et quand vous revoisez, mettez vos noms là-dessus. Mettez votre vie là-dessus, soit disant que ça c'est pour moi, ça c'est pour Kofi. Le projet d'appui à la création et à la gestion de la réserve communautaire des îles d'Anéro, financé par le programme PAPBU OC1 Mangrove, a été lancé au cours des activités de sensibilisation à l'éducation environnementale. Je voudrais remercier l'UICN pour sa très précieuse contribution. D'avoir accédé gracieusement à notre requête qui vise à reboiser les îles d'Anéro, à leur donner vie, à créer un espace de biodiversité qui va viser la renaissance de toutes les espèces animales et végétales, créer des emplois pour la population, notamment pour les jeunes et les femmes. D'abord, je voudrais remercier les partenaires qui ont bien voulu nous faire confiance en nous confiant ce projet. On n'est pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'appels à candidature et nous avons été retenus pour ce projet. Je leur en remercie. Nous allons faire un travail d'approche. D'ailleurs, cela, nous avons commencé déjà cela avec les populations cibles. Nous avons tenu plusieurs rencontres. Nous avons tenu compte de leurs besoins, leurs objections. Et c'est après cela que nous avons programmé la rencontre de cet après-midi. Je crois que le projet va se dérouler sur les chapeaux de roue. Le représentant de l'UICN, Baratop, chargé à la communication du programme PAPBU OC1 Mangrove, a réitéré le soutien de son institution aux porteurs de projets. Au niveau de l'UICN, qui avons reçu la subvention de l'Union européenne, nous nous sommes dit que nous n'allons pas aller vers les communautés et venir avec des idées toutes faites, des solutions toutes faites. On va demander à ces communautés qui connaissent le problème de nous proposer des projets que nous allons subventionner. C'est dans ce sens que la Fondation Acregou, en consortium avec LTD, a proposé ce projet qui, Dieu merci, est sorti vainqueur. Donc pour avoir cette subvention pour la création et la gestion d'une réserve communautaire. Dans
l'idée de la mairie, dans l'idée de la fondation, se sont dit que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. Donc, il faut l'appui de tout un chacun pour que ce projet puisse avoir les succès escomptés. En prélude à la visite découverte des élèves de la commune Lac 1 et Lac 3, le jeudi 25 novembre 2021, une rencontre de travail a eu lieu entre quelques députés de la commission environnement du Parlement togolais. La gestion d'une zone communautaire de conservation qui a été gagnée par la Fondation Akreburu et Partners en collaboration avec une ONG togolaise. Le Togo a été viré, en tout cas la première tranche a été virée et le projet a été lancé avant-hier. Zone de conservation Zone de conservation communautaire. Communautaire. Oui. Au Sénégal, on les appelle les aires marines protégées, AMP. Donc, c'est des aires où la pêche est réglementée, l'accès à la ressource est réglementé. Ça devient une zone de repos biologique pour les poissons. Ça devient une zone aussi de reproduction pour les tortues, pour les dauphins, les orques, etc. Donc, à Jawal, par exemple, on a pu prendre même des Togolais, des Béninois, les amener à Jawal pour qu'ils visitent, pour voir comment cela fonctionne. Donc ça, c'est un projet que la Fondation Akreburu a gagné, mais au profit de la mairie de Lac 1. Mmh. Donc le projet, ils ont reçu l'argent et les activités ont démarré. Donc il fallait que vous, votre présence, oui, pour assister au lancement. Oui, oui. En fait, moi, j'ai mis la mission durant la période là pour assister. Ouais, mais ce n'est pas l'objet de ma mission. En collaboration avec l'ONG Action humanitaire de développement. Ah, okay. Donc ils sont dans la zone de Togo commun. Donc en Togo commun. Ah, Togo commun. Ouais. Oui. En collaboration avec l'ONG Agbozégué que dirige John. Mm-hmm. Hein? Tous ces projets là sont accompagnés d'activités génératrices de revenus. Donc, quand on dit aux gens il faut protéger la mangrove, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas mettre une pression supplémentaire sur la ressource, il faudra leur donner des alternatives. C'est pourquoi, de succession. Voilà. C'est pourquoi, par exemple, dans le projet avec HD et Agbozégué, on leur permet, par exemple, au lieu de faire des foyers améliorés, comme ça, ils vont utiliser moins de bois. Ce que vous venez de dire par rapport à votre mission des trois jours, je crois que c'est un pan de la chose qui est venue. La sensibilisation, l'implication des jeunes, et je crois que c'est déjà bien, puisque c'est la relève de demain. Et si eux, ils prennent conscience, et même quand ils en parlent à leurs parents, je crois que eux-mêmes, ils vont prendre également conscience. Et que la coupe anarchique des bois qu'on observe, les mangroves qui sont en train de partir, je crois que si tout le monde apprend conscience que demain, nous allons vivre de ces mangroves, je crois que le combat serait un bon combat, qui va connaître un bon résultat. Donc encore une fois, félicitations et merci à nos frères qui vous accompagnent. Tenez bon, hein. C'est nous, hein. Et nous-mêmes, si nous ne sommes pas engagés, déterminés, nous allons voir notre environnement, notre nature s'envoler comme ça. Et je ne sais pas où on va aller vivre. Ce n'est pas qu'un pays serait épargné par rapport à l'autre. Ça devient un truc global. Et nous allons tous périr comme ça. Peut-être qu'il y aura une génération spontanée qui viendra et qui est adaptée au climat des fins. Drastique et à l'environnement non supportable, en tout cas par nous les humains actuellement. Donc c'est un bon combat et je vous en remercie. Les activités d'éducation environnementale ont pris fin avec la descente sur le terrain des élèves afin que ces derniers, issus des écoles Kokou Sekondi, Zebevi Group C, Zoloa, Bodjomé et Agbodrafo, puissent se familiariser avec les mangroves. Aujourd'hui, j'ai retenu que les mangroves sont très importants pour notre pays. Et pour protéger les mangroves, lorsqu'on coupe les mangroves, il faut reboiser. Lorsqu'il y a les mangroves, les poissons viennent se reproduire dedans.
lorsque je rentrerai à la maison, je vais dire à papa et maman de ne pas couper les mangroves. Parce que les mangroves, c'est ça qui donne, c'est ça qui fait que les poissons puissent se reproduire. Nous sommes là pour enseigner à nos élèves comment protéger l'environnement. J'avais vu que le projet est intéressant pour accompagner les enfants. Comme ça, on va les former plus à l'école pour que les parents puissent connaître ce qu'on appelle mangrove, la façon dont ils vont protéger la mangrove. Ce n'est que le début du commencement. D'autres activités se préparent pour l'avenir. Donc depuis le 22, nous sommes déjà passés dans les écoles pour sensibiliser le maximum de personnes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficile de déplacer toutes les écoles. Donc nous sommes partis dans les écoles des communes Lac 1 et Lac 3. Je peux citer entre autres l'école d'Agbodrafo, de Djogomé, de Zola. Nous sommes partis dans les écoles là, passer dans les classes pour sensibiliser les élèves. Et puis les écoles elles-mêmes ont choisi des élèves qui ont participé aux différentes activités. C'est pourquoi dès le 23, toutes les écoles se sont rencontrées ici à la mairie pour une activité de sensibilisation que j'appellerais masterclass, où on a vraiment projeté des films, projeté des images, expliqué aux élèves c'est quoi la mangrove, quels sont les différents types de mangrove, quelles sont les pressions, que ce soit anthropiques ou naturelles, qui pèsent sur les mangroves. Et prochainement, en dehors des activités éducatives, il y a les activités culturelles que nous allons réaliser avec notamment une au Togo le mois prochain, donc durant le mois de décembre. À l'heure où la modification de la loi sur l'environnement au Togo est en cours sous les auspices du ministre de l'Environnement, il est souhaitable que la protection des forêts des mangroves et des aires marines protégées trouve une place importante dans ce nouveau document.